Mesdames et messieurs, nous sommes dans le quartier La Poudrière, les backstage du fond de Tchétché, donc le derrière des rails, pour venir rencontrer un éminent. Il s'appelle Champion Moubarak. Donc je pense que c'est ici, ouais, je suis devant son portail. Ok, je viens le chercher pour qu'on aille à une manifestation quelconque. Triste que soit. Ok. Bonjour. Comment allez-vous en ce jour? Oh, toujours tiré à quatre épingles. C'est le Dupamba. Merci. Je voulais voir Monsieur Champion Moubarak. Le Champion Moubarak est dans la maison. Il est-il là? Oui. Ok, donc je m'approche de sa porte. Oui. Champion! Champion Moubarak! L'enfant, le doux. Le système, c'est quoi? On respecte d'abord les gestes barrières. À ça. Et pour moi, c'est le time. Time, c'est le sou, c'est de l'argent, mon frère. On a l'invitation de l'autre côté. Oui, je le sais très bien. Malheur soit-elle, mais bon, il faut aller assister le frangin. Mais avant tout ça, c'est toi le lead du quartier. C'est pour ça que je suis venu te voir. Donc c'est à toi de nous présenter un peu avant qu'on sorte de ton quartier. Ça me fait plaisir aussi. Quand tu es chez moi, je dois tout d'abord te présenter mes enfants, ma famille. Sans souci, moi les enfants, je les aime bien. Je suis père de famille et de famille aussi comme toi. Ouais. Donc, coucou. Au revoir, papa le doux. Comment allez-vous en ce jour? Après la Noël, qu'est-ce qui se passe? Après les fêtes, qu'est-ce qui se passe? C'est la bonne humeur. Donc, je commence par madame. Maman, comment allez-vous? Ça va bien. C'est tonton le Dupamba. Et comment allez-vous, jeune? Toi, c'est comment? Comment t'appelles? Sharon. Et toi? Niglesh. Et toi? Emilia, la belle. Et toi? Honorcia. Ok. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Donc moi, je suis venu choper votre chef de famille parce qu'on a des choses à faire avec lui aujourd'hui. Et bon, certainement, je sais que on n'a pas emmené des bonbons, mais ça va venir. Papa va ramener tout ce qui est... Ok, donc nous, on va y aller parce qu'on nous attend. Le temps nous fait de fou, mais bon. On va gérer. Donc Moubarak, tu es prêt? Oui, je suis prêt. On peut y aller. Ok. Merci. D'accord. Au revoir. Bon, allez. Okay. Au revoir les enfants. À tout à l'heure. Hein. Okay. Ok. À plus. Comme je suis sans mes états. Mon ami, mais on y va. Je vous laisse avancer. Moubarak, tu m'excuses, moi je suis venu chez toi. Qu'est-ce qui va se passer en découvrant? On commence par où ton quartier? On le voit où? Je ne suis pas seul aussi, hein. Les téléspectateurs également ont besoin de découvrir ce quartier, le backstage du fond Tchétché, derrière le fond Tchétché. Comment tu l'appelles? La poudrière. Ouais. Donc on va commencer par moi. Moi aussi j'en profite quand aujourd'hui tu t'es retrouvé dans mon quartier. Je vais te faire visiter mon quartier en commençant d'abord par ma mère. Il est juste derrière la gare. Ok. Ouais. Et c'est là-bas aussi mon QG se retrouve. Donc on peut y aller. Okay. Pour te visiter mon quartier et les conditions que nous vivons ici. Ok, sans souci. En fait, le but, c'est tout ça. Hein? Ah, okay. Ok, donc on peut y aller. Oui. Ok.
Là, on a fait toute une longue parade de près d'un kilomètre pour découvrir ton quartier. Là, tu nous emmènes, on est rentré quelque part. L'histoire nous emmène finalement quelque part où on voit des gens tresser des cheveux, des dames précisément. Qu'est-ce qu'il y en a ici? Donc, c'est à toi de me dire exactement, c'est toi qui nous emmène. Chez ma maman. Vu qu'on est venu l'absenter ici, si elle n'est pas là, ma tante peut la remplacer. Ok. Donc moi, pour moi, il y a la poudrière. Il y a une vague mine dans la poudrière. Donc, il y a que moi, je suis là. Donc, il y a que Vandang, Kouakou. Et mes habits, il y a un peu de mambou et imbi. La mambou, il y a un peu de mambou et mambou. Il y a un peu de mambou. Il y a un peu de mambou. Il y a un peu de mambou. Et que pendant que tu as un problème, tu montres que tu as un problème toujours. Pas que l'on sait que tu as un problème. Donc, moi, j'ai besoin vraiment. Et que moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi aussi. Ah, ma tonde. Mais vraiment, ma tonde, Ming, je vais me recevoir avec toi. Beto ba ki na vingila beto quelque part, mais coucou Zoyan, je sais que tu as une invitation, moi aussi. Moi, je suis un peu mais bon, je sais que tu as un peu de spang, je vais fouiller le monde. Donc, je vais te faire un bref, moi. Ma tonde, Ming, la tonde. Merci. Merci. Merci, Matondo. Matondo. Allô, Moubarak. Champion.
Je suis en train de faire des choses. En tout cas, il y a des gens ensemble. Il y a des jeunes qui sont en train de faire des choses. Ensemble, vraiment, il y a des talents aussi. Parce que c'est pour ça. Donc, la zone est en train de faire des choses. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Dans la station qu'on a tiré, c'est le seul. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Il y a des gens qui sont en Moi j'appelle ici le backstage, le derrière du fond. Qu'est-ce qui se passe là exactement en matière d'infrastructure? Ben que vanda ba doléance ve ba passe sécurité, salubrité, ba mambo ming. Il y a un propos à Ina, il y a une zone de qui, la Djambouine. Merci, Matonge. Dans Djambouine, il y a une zone qui est dans la carte habituelle. Mais tu as la passe, je l'ai envoyé dans la carte. Je me posais ma première bête dans le Yalou, tu as la bête au quartier, même gratter sa femme, que ça l'avait dit. Il y a 20 ans, tu es venu au Nigeria, tu as pensé que, quand tu es venu au Nigeria, tu bois aussi. Mais tu es venu. Mais profitez na kaina ku sala mo message na bayina balen ku wa kiadi ya benu yai betre la ku dilaka malmala betre la dilaka c'est betu il faut vraiment le yalo tala ba mambo ba pas tata la ka moustique ba moustique tala ba kamle lu tave ka ba velo ba velo moto na lu ta mais voiture attaque jamais tala ka ngemus attaque voiture betre la malade betre la ba rai. Alors que bord à fond, c'est quand on a vu ici dans Paca, il y a un vrai bord. Ce n'est pas là où ça va embouteillage dans le rond-point. Bord, il y a un raccourci. Mais on souffre. Il y a un moustique. Il y a un moustique. Il y a un moustique. Donc il faut autoriser dans la mambou, il y a vraiment pour mettre en église. Ok. On souffre. Ok. La typhoïde. Ok. On meurt. Le doyen Boni, on félicite les jeunes du quartier et tout le monde de cette réception énorme. Ça nous va droit au cœur. Nous, à notre niveau, on va relier les médias à qui de droit pour gérer les mambouina. Vraiment, ma tonne ming, papa Boni. Merci. Ma tonne ming, nous pensons que ma réponse est bien reprise. Peut-être que nous reprise. Espérons. Merci.
Agréablement surprise de voir la famille de notre grand frère Jean-Marie Madiala, le Congolais gabonais. Mais malgré que nous sommes en France, nous avons un dernier. Le dernier chez nous, c'est Claver Madiala, qu'on appelle Yémé. Si on même fait un maître de cérémonie, reconnu partout, même sur les réseaux sociaux, il est présent. Je vais lui laisser la parole parce que c'est mon chef. Okay. Ben en tout cas, merci. Hein, merci de vous voir parmi nous. Merci pour ce geste parce que c'était inattendu. Et encore merci pour la chaîne MCR TV parce que j'ai entendu parler. J'ai un petit frère que je connais très bien, qui donne le nécessaire. Voilà. Donc c'est à travers lui que j'ai découvert la chaîne. Et du coup, je ne m'attendais pas que ce petit moment serait agrémenté de quelques airs de sapologie. Et ça, c'est ce qui nous touche le plus. Le grand frère, vous aurez vu la photo qui a été présentée, il était bien habillé et donc un peu sapologiquement, il est parti. Voilà. Et donc moi, Claver Madiala, comme l'a dit la grande sœur, je suis à Paris avec le plus grand nombre d'un de vôtres qui est là-bas, Jean-Marie Madiala, qui s'appelle l'homme de son état. Et il n'a pas pu faire le déplacement. Et donc, je suis venu en tant que garçon le représenter. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est que votre présence nous fait chaud au cœur énormément. Et on ne s'y attendait même pas. Là, on n'a pas, été prévenu. Et donc, merci encore pour cet honneur que vous faites au grand frère. Alors, notre défunt aîné, Roger Madiala, né le 29 décembre 1960, est inhumé aujourd'hui, le 29 décembre 2020. Il allait totaliser ses 60 ans. Donc là, c'est comme un cadeau d'anniversaire. Et vraiment, j'en suis. Voilà, je ne vais plus pleurer parce que là, vous êtes venu essuyer les larmes. Et pour terminer, j'aimerais aussi connaître un petit peu les frères qui sont avec vous. Excusez-moi, j'ai une voix cassée. J'ai beaucoup pleuré. Ils sont agréablement habillés. Les frères feront la fierté de nos grands frères parce que Chardel Mansanga, à Paris, c'est aussi un grand frère, suivi de Jean-Marie Madiala. Je pense que j'ai envie quand même de connaître les prénoms. Moi, c'est Moubarak, le cadenas de son frère. Moubarak, le cadenas de son frère. De la moda du grand Bota, le fils d'un boutier italien, pour le référence. Je viens de perdre un cadet, un neveu que je viens d'enterrer. Et vous venez pour nous filmer, pour nous honorer. Je suis très honoré et très reconnaissant de ce que vous faites pour nous. Vraiment, merci beaucoup. Vous qui revenez de loin, nous avons dit merci aux amis, merci aux parents, merci aux connaissances. Merci beaucoup. Et vive MCR TV. Merci. Chapeau à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci.
Père, 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 Père,